90 minutes pour revenir sur le podium. Voici la mission des Lavallois cet après-midi à Marseille. Patrick Etchimi. Le ballon était parfaitement remonté là par Espinosa. Et belle action encore une fois avec Mendes qui est parti. Mendes devant le but. Guirolo Nyongbo qui pourtant était l'un des joueurs les plus décisifs de cette équipe en première partie de saison. Attention à ce centre venu du côté droit. Double angle Mendes. Un petit peu ce public qui va forcément attendre une grosse opportunité. Comme maintenant avec la frappe de Mendes. De Mendy pardon, qui passe à côté. Juste devant Oboulang Mendes, il avait pris l'avantage devant le latéral lavallois. Première période. Finalement 0-0 à la pause entre Marseille Consola et le stade lavallois. Les standards des équipes qui jouent le haut de tableau. 0,77 buts par match. Et pourtant l'occasion arrive maintenant avec ce centre d'Etinov qui aurait pu arriver sur Alexis Bossetti. Ici Kenny n'a pris aucun risque dans ce début de seconde période. Et pourquoi pas maintenant? Tiens, sur cette action en faveur des tangos. Espinosa. Espinosa. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Quel but. Mais quel but de Michel Espinosa. Son tout premier but avec le stade lavallois. Et tout simplement une merveille. Et ici, Kenny ne pouvait rien faire. Frappe limpide. Et 1-0 pour les tangos. Oh, il fallait oser dans cet angle fermé. D'Espinosa. Etchimi côté droit. Ah, le centre de Patrick Etchimi. Second poteau. Alexis Bossetti juste à côté. Balle de break qui passe hors cadre pour le stade lavallois à la 62e minute. Ah, l'équilibre était très bon de la part d'Alexis Bossetti. Frappe pure, coup de pied, ça prend même le poteau. Ah, les Marseillais aujourd'hui. Attention à son ballon, c'est bien joué. Dans la surface de réparation, Maxime Aubois qui est trompé par cette frappe astucieuse. Cette frappe très bien placée. Cette frappe très bien tentée, surtout par les Marseillais. Et l'égalisation qui va être signé. Papa. Bah 9 buts inscrits dans le tout dernier quart d'heure sur les 18 en seconde période. Là aussi, ça fait une très belle moyenne. Etinov dans la surface de réparation, numéro d'Etinov. Et oui, ce dernier quart d'heure est souvent le quart d'heure des Lavallois. Voici un nouveau but inscrit dans les 15 dernières minutes. Mais cette fois-ci, c'est Gabriel Etinov qui s'amuse dans la surface de réparation. Sako. Ouamar à nouveau dans la surface de réparation. Ouamar qui va rechercher fermement de l'autre côté de la surface de réparation. Clément Goguet. Goguet sur le pied gauche qui frappe à côté. Quelle occasion à la 89e minute pour Clément Goguet. Pourquoi pas une nouvelle possibilité pour les Marseillais avec Tamboura. Soli, le petit numéro dans la surface de réparation pour l'égalisation. Et le doublé surtout. Quel travail des Marseillais sur cette action. La remise de Soli, le très bon travail de Sako et ce ballon en retrait pour la frappe de bas à bout portant qui va se loger sous la barre transversale. Tamboura retrouvé. Tamboura toujours. Quel numéro de Tamboura. Et surtout, l'arrêt au bois en deux temps pour sauver les Lavallois d'une défaite aujourd'hui à Marseille. Score final, 2-0. Les Lavallois ont remené deux fois dans cette partie. Ils n'auront pas été capables de préserver leur avantage. Mais heureusement que Maxime Aubois est encore une fois présent cette saison.